la Scottie, danser la Scottie. Hey, la Scottie, la Scottie, la Scottie flow. La Scottie, danser la Scottie, mais oui. La Scottie, et c'est pas fini, oh non. Hey, 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 Jean-Pierre. La Scottie, danser la Scottish. La Scottie, ça y est, c'est le finish. Excellent, messieurs, dames, la Scottish. Facilement, qui viennent ici, en campagne. Ça, c'est une petite parodie qu'on a fait, mais au départ, c'est les gens de la Bretagne qui les reconnaissaient aussi quand ils arrivaient. Tiens, 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 voilà les Parisiens, ils les reconnaissaient tout de suite. Et voici une petite chanson, c'est parti! Nous arrive par grappe entière à une famille avec le père qui se donne des airs de vieux de loup de mer, casquette sur l'œil et pipe en terre. Tiens, 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 voilà les Parisiens qui viennent à Paimpol courant sa falaise. Tiens, 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 voilà les Parisiens en dîner en sabot dans le flux marin. Sont venus pour danser l'andro, voici l'andro des parigots. Ça se danse comme le French cancan, on se tord les doigts en se gondolant. Tiens, 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 voilà les Parisiens qui viennent à Paimpol pour sa falaise. Tiens, 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 voilà les Parisiens qui viennent en sabot vers le plus marin. Hey, ça y est. Photo sur la tonne, agrémentée d'une pignette, qui leur vendra des petits nappes, et puis des bols avec leur nom. Tiens, 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 voilà les Parisiens qui viennent à la parole pour voir sa palette. Tiens, 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 voilà les Parisiens, on dit leur savon et leur plus marin. Alors maintenant, mesdames et messieurs, voici les Parisiens qui arrivent à la campagne. Et on les reconnaît tout de suite aussi. Ils viennent ici prendre des vacances, mais ne veulent aucune nuisance. Faut pas entendre un coq chanter, sinon à la barre, ils vont y mener. Tiens, 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 voilà les Parisiens qui viennent à la campagne pour se ressourcer. Tiens, 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 voilà les Parisiens, faut surtout pas les déranger, non. Cha-cha-cha.
Regardez ce beau troupeau, oui mais ça pue tous ces bestiaux. Mais c'est moins grave que la pollution causée par trop de circulation. Tiens, 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 voilà les Parisiens qui viennent à la campagne pour se ressourcer. Tiens, 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 voilà les Parisiens qui s'occupent pas de les déranger, non. Est-ce qu'il y a des Parisiens? Ils se cachent, ils se cachent. Ils viennent avec leur fière allure et ils se croient bien plus malins. Mais si tu leur parles de la nature, en fait ils n'y connaissent rien. Tiens, 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 voilà les Parisiens qui viennent à la campagne pour se ressourcer. Tiens, 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 voilà les Parisiens pour se ne pas les déranger. Hey. Pour se ne pas les déranger. Tiens, tiens, tiens. Alors on s'excuse, hein, c'est des Parisiens, hein, ils sont pas tous comme ça. Donc, ça fait des bruits. Ouais. Vous êtes les instruments, messieurs, dames. On va faire tous ensemble pareil. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Super. La vie, il avait vu que le vieux ne voyait plus, mais le vieux voyait bien que la vieille voyait rien. Mon père n'avait d'autres filles que moi, mais le vieux voyait bien que la vieille voyait rien. Mon père n'avait d'autres filles que moi, mais le vieux voyait bien que la vieille voyait rien. Longtemps sur la mer, il m'envoyait. La vie, il avait vu que le vieux ne voyait plus, mais le vieux voyait bien que la vieille voyait rien. Alors sur la mer, il m'envoyait. Le vieux le voyait bien que la vieille voyait rien. Alors sur la mer, il m'envoyait. Le vieux voyait bien que la vieille voyait rien. Le marinier qui m'y menait, la vieille elle avait vu que le vieux ne voyait plus, mais le vieux voyait bien que la vieille voyait rien. Le vieux voyait plus, mais le vieux voyait bien que la vieille voyait rien. Le marinier qui m'y menait, le vieux voyait bien que la vieille voyait rien. Le marinier qui m'y menait, le vieux voyait bien que la vieille voyait rien. Il devint amoureux de moi, la vieille elle avait vu que le vieux ne voyait plus, mais le vieux voyait bien que la vieille voyait rien. Le vieux voyait bien que la vieille voyait rien. Il devint amoureux de moi, le vieux voyait bien que la vieille voyait rien. Il devint amoureux de moi, le vieux voyait bien que la vieille voyait rien. Chaque fois qu'il me disait, la vie elle avait vu que le vieux ne voyait plus, mais le vieux il voyait bien que la vieille voyait rien. Le vieux ne voyait plus, mais le vieux voyait bien que la vieille voyait rien. À chaque fois qu'il me disait, mais le vieux il voyait bien que la vieille voyait rien. Chaque fois qu'il me disait, mais le vieux il voyait bien que la vieille voyait rien. Ma mignonnette embrassait moi, la vie elle avait vu que le vieux ne voyait plus, mais le vieux il voyait bien que la vieille voyait rien. Le vieux ne voyait plus, mais le vieux voyait bien que la vieille voyait rien. Ma mignonnette embrassait moi, mais le vieux voyait bien que la vieille voyait rien. Mignonnette, embrassez-moi, mais le vieux voyait bien que la vieille voyait rien. Mais non, monsieur, je n'oserais. La vieille, elle avait vu que le vieux ne voyait plus, mais le vieux voyait bien que la vieille voyait rien. La vieille avait vu que le vieux ne voyait plus, mais le vieux voyait bien que la vieille voyait rien. Car si mon papa le savait, mais le vieux voyait que le vieux voyait rien. Si mon papa le savait, mais le vieux voyait bien que la vieille voyait rien. Vieux battu, ce serait moi. La vieille, elle avait vu que le vieux ne voyait plus, mais le vieux voyait bien que la vieille voyait rien. Il fuel parce qu'il est en retraite maintenant, Denis. Donc il a tout son temps pour s'occuper à temps complet de tout ce qui est animation. On peut l'applaudir, Denis, parce qu'il donne beaucoup de, non, mais d'énergie, c'est... de temps. Et, non, et... arrête, Olivier, on est là pour écouter de la musique. Bon, bonsoir à tout le monde. C'est vrai, ça fait vraiment plaisir de vous voir aussi nombreux ce soir. Comme à chaque apéro-concert. Là, on arrive au sixième apéro-concert avec Celtiforter. Donc, Francis qui anime bien la soirée. Voilà. Au tout début, vous avez eu un groupe qui était. Que j'ai fait venir en avant-première, la MFR. C'est un groupe qui vient de Reims. Donc, qui répétait à la MFR de Champeau. Donc, la MFR, c'est la maison familiale et rurale de. Champeau ou Champlot ? Champeau. Je confonds toujours Champeau. Il marche plus. Allô, allô. Si, ça marche. Bon, ben, c'est bon. Voilà. Donc, un bon niveau. C'est des chanteurs professionnels qui sont venus de Reims. Ils étaient une quinzaine. Et ceux qui étaient là ont pu apprécier. Voilà.
Donc, comme à chaque apéro-concert, on va vous poser des petites questions. Ce soir, je vais vous poser deux questions un peu en rapport avec l'histoire de Toussy, pour vous faire connaître un petit peu des lieux de Toussy, un peu l'histoire. Et puis deux questions un petit peu plus faciles. Voilà. Je vais déjà passer la parole à Denis, qui va vous présenter nos sponsors de... C'est vrai que nous fonctionnons, Toussy Animation fonctionne avec un petit peu d'argent quand même pour payer les artistes. Et il y a des sponsors, il y a des bénévoles, il y a des sponsors, et il y a des gens qui nous aident particulièrement. Je vais citer par exemple la charcuterie traiteur Breton. Est-ce que vous connaissez Breton ? Voilà. C'est la Bretagne. Ouais, ouais. C'est avec, la Bretagne ce soir. Avec Breton, tout est bon. Est-ce que vous connaissez Casseguin à Toussy? Ainsi que le bon agent immobilier à Toussy. Là, c'est la rue Philippe Verger, dans la rue Philippe Verger. La boulangerie Pasco. Voilà. Les caves de Toussy. Voilà. Route de Wannes. Voilà. Donc la boulangerie aussi de la mairie, c'est juste à côté de la mairie. Ouais. Comme son nom l'indique. Ensuite, il ne faut pas oublier le restaurant La Vapeur, en bas de Toussy. Ainsi que le pâtissier chocolatier Durand, dans la rue Paul Bert. Alors, on n'oubliera pas non plus CSC Création et les ambulances Urgence Santé. Merci pour eux, merci de les applaudir, c'est sympa. Alors, je voulais, avant de donner la parole à Olivier, je voulais dire que, particulièrement ce soir, je suis heureux parce que ce sont des gars de Tingy. Moi, je suis originaire de Tingy, puis c'est des gars de Tingy qui font la musique. Ils s'appellent Gendarmes, mais c'est pas approprié, hein. Avec un donc, J comme joie quand même, c'est mieux. Voilà. Donc, c'est des gars de Tingy, et puis dans un cadre formidable, j'ai même vécu ici dans le cadre. Donc, tout va bien. Est-ce que Toussy va bien ? Oui ! Est-ce que vous en voulez encore ? Oui ! Eh bien, vous allez en avoir, mais après Olivier. Bonsoir voilà. À tous. Et après, on finit au bout de la nuit, hein, avec City Forter. Moi, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, ce que je voulais dire, c'est qu'on... On habite quand même une ville très sympa, où tout le monde nous envie d'habiter, donc à Toussy. Et il y a plein de choses à faire, il y a beaucoup d'associations, donc on n'est pas les seuls, il n'y a pas que Toussy Animation, mais il y a quand même toutes les associations culturelles et sportives qui vont se mettre en route bientôt, parce que ça va être la reprise des écoles, des classes et tout. Donc, je pense à tous les clubs sportifs, culturels, etc. Donc, on est pas loin de 60 associations culturelles et sportives à Toussy. Donc, on peut les remercier. Je remercie tous les bénévoles de Toussy Animation qui œuvrent ce soir à la buvette, à la mise en place des tables, des chaises, des barnums, où je suis actuellement. Le nouveau barnum où on est là, qu'on a fait l'acquisition cette année. Voilà, donc au lieu d'avoir 6 pieds comme celui qui est là-haut, il n'y en a plus que 4. Ça permet de plus avoir le pilier central. Ça, c'est pas mal quand même. Bon, je vais passer à la première question. Alors là, il faut bien écouter. Celui qui répond correctement. Celui qui répond correctement, on lui offre un petit ticket et il pourra aller chercher une boisson gratuite à la buvette de Toussy Animation. Voilà. Donc il y a le choix. Il y a une bonne sangria, du kir, etc., etc. On peut se désaltérer comme on veut. La première question, je vous l'ai dit, c'est en rapport un petit peu avec l'histoire. Donc écoutez bien. Hein. C'est le plus rapide hein, là. Vous levez la main, vous criez fort. Attention. Ah, ils ont gagné. Ils ont gagné. Je n'ai pas posé la question encore. Donc, à Toussy. Ça y est, tout le monde entend bien, là ? Bon. À Toussy, en février 1429, une femme célèbre est descendue dans la rue des Mitons. Qui est-elle ?
C'est bon. Là, le monsieur au chapeau, Denis. Il est parti. C'est la réponse, c'est Jeanne d'Arc. Et rapide, hein, le monsieur. Hein. Je vais te donner un ticket, Denis. S'occupe de la buvette. Donc tous les bénéfices, bien sûr, sont réinvestis en 2017. Voilà, pour faire venir d'autres groupes aussi talentueux que ceux qu'on a eus cette année. Deuxième question. Denis, tu m'entends bien ? Bah, super. Deuxième question. Quel monument a été érigé à Toussy en 1894 ? Pierre Larousse, là-bas. Denis, le monsieur en blanc, tout en haut, là-haut. En blanc. Donc, c'est la fontaine Pierre Larousse. Qui se situe à quel endroit? Non. Place de la République. Place de la République. Donc là, oui, le monsieur en blanc, avec un camion sur le... Non, je veux un camion. C'est bon, Denis? Ouais. Donc, troisième question. On va aller assez vite. On va aller assez vite. Je demande le nombre de cafés et restaurants qui ont participé cette année aux apéro-concerts de Toussy. Le nombre exact. Combien? 8. Bravo. Non, ouais, première, là, j'ai entendu. 8. Bravo. Denis, à ta gauche, la dame qui frappe dans ses mains. Tu peux lui faire la bise, hein, quand même, parce qu'elle le mérite. Hein. Et la dernière question, attention. Là, il faut déjà se projeter pour l'année prochaine. Quelle sera la date du premier apéro-concert en juillet 2017 ? Quelle sera la date du premier apéro-concert en juillet 2017 ? Le 8, la dame là. Denis, à ta gauche. Le 8 juillet 2017, ça sera le premier apéro-concert de Toussy Animation. Alors l'endroit, on ne l'a pas encore, le groupe non plus. Voilà. Sinon, on vient. Hein, s'il y a... À la place, on a dit qu'on faisait une petite pause de 10 minutes parce qu'après, ça casse l'ambiance. On peut applaudir encore ces petits forteurs. Et je voudrais qu'on applaudisse surtout les bénévoles de Toussy Animation. Ils le méritent bien. Et Michel Kotovchiking, qui nous fera un bon bourguignon à la fin, comme d'habitude, parce qu'il est, c'est le plus doué de la ville de Toussy pour faire un bon bourguignon. D'accord. À tout à l'heure. Super. À fond la caisse, hein, Pouc. Une vieille dame. Et pour répondre son sac à main, il a crié dans les mains.
habite à Saint-Pierre. Montpellier, il est cantonnier, il habite à Saint-Pierre. Il sait faire de beaux souliers, on tout fait de verre. Avec des bouteilles, mon père fait un beau métier. Avec ma mère, il est marié, la bandière. Avec ma mère, il est marié, et la bandière. Son linge, elle l'avait rincé dans l'eau de la rivière. Ils s'en vont, l'herbe des prés, ma mère est un beau métier. Mon grand-père est bourrelier, il sait faire. Ma grand-mère fait des paniers, c'est une bannière. Ma grand-mère fait des paniers, c'est une bannière. En rotin, en sérosier, elle trace des bannières. Elle les vend sur le marché, grand-mère fait un bon métier. Mon frère, il est jardinier, il cultive la terre. Je chante des beaux couplets d'amour et de guerre. En festeuse et en festesse, moi je fais un bon métier. On y va. 1, 2, 3, 4. Tout le monde recule. 1, 2, 3, 4. On recommence. 1, 2, 3, 4. On recule. 1, 2, 3, 4. Alors maintenant, c'est les dames qui vont les messieurs tapent dans les mains. 1, 2, 3, 4. Reviens. 1, 2, 3, 4. À vous, messieurs. 1, 2, 3, 4. Et on revient vers la cavalière qui se trouve à sa gauche. Oui, c'est ça. Voilà, et maintenant on tourne jusqu'à 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Maintenant on se met côte à côte, bras dessous sur les épaules et on avance pareil de 16 pas. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et là, les rondes se reforment. Et on recommence depuis le départ. C'est parti tous ensemble, on y va. Toujours un garçon, une fille. 1, 2, 3, 4. On recule. 1, 2, 3, 4. On avance. 1, 2, 3, 4. On recule. 1, 2, 3, 4. Les filles, à vous. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Messieurs. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on danse avec la cavalière qui se trouve à sa gauche. Donc monsieur. À chaque fois, il y a changement de cavalière. Hein. Forcément, il y a changement de cavalière à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Maintenant, on se met côte à côte et on avance dans la ronde. Non, vous êtes trop en avance là-bas au milieu. Vous êtes en avance. Allez, on avance de 16 pas. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et on recommence une dernière fois sans musique. On se donne la main. Tous ensemble, on y va, on avance. 1, 2. Son cours va des princes de Bretagne. Son cours vient si prince de l'aider. Ni cours va. Dans les prisons de Nantes, l'homme il est bien, l'homme il est bien, l'homme il est bien. Dans les prisons de Nantes, il y avait
Bye.
Ça va, monsieur, dame? Super, excellent. Vous restez tous là.
Je vais appeler Michel sur le podium et on se fait un dernier bonbon bourguignon rapide. Et j'aimerais bien qu'il nous dise un petit mot aussi. En musique, voilà. En musique. Michel. Bonne soirée à tous, on reste là, on lève les bras. Alors, pour une fois pour les gendarmes, ouais, on va leur faire un bon bourguignon. Allez, on y va. Ils vont souffler tout le temps dans le ballon, là, aujourd'hui. Attends. La, 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 la. Comme joueur, ça change tout. Merci les Celtic Porters. Je rappelle qu'il y a des CD à vendre. Ils ont fait la pub tout à l'heure, mais on peut la refaire en même temps. Ceux que veulent encore dans la voiture, ils en prennent, ils en achètent. Le monsieur au t-shirt Puma, qui est vers le camion bleu là. Vous en voulez une à gauche du podium. Encore une dernière. J'en vais faire une malade. J'ai rencontré ma Pompadour, Claude d'amour. On disait qu'elle avait mon dos à Kyriallo. Je vais présenter un mec côté rue de la patrie. Ils m'ont piqué dans mon alcôve, rue d'Albauche. Ils m'ont piqué dans mon cœur, rue d'Albauche. Hey, c'est la chanson des Gaglarians, c'est le cadran. C'est qui nous fait chanter, danser, rue de Saint-Blé. À faire un tour sur mon canot de la rue Carnot. J'en vais faire une bonne balade à l'Ombarade. J'en vais faire une bonne balade à l'Ombarade. Il faut pas dire qu'ils foutent à l'Arsenal. C'est vrai qu'ils ont foutu le bordel contre Gabriel. J'en ai vu complètement sous le pont de Guédon. Et c'est parti pour une Guinness, une bonne Guinness. Et c'est parti pour une autre Guinness, une bonne Guinness. Hey, c'est la chanson des Gatlarians, c'est Guédon. C'est qui nous fait chanter, danser une assemblée. Yeah, yeah, ça va, vous êtes en forme? Merci Francis. Hey mon ami, toi t'as une belle casquette, viens, t'es mon copain toi. Viens voir, c'est comment ton prénom, je me rappelle plus. Hein? Ludovic, alors Ludovic, regarde. Tu vas enlever ta casquette PMU, parce que ça c'est moyen, moyen. Je vais t'en donner un beau, plus beau, c'est le chapeau. Le chapeau de l'ours, vous le reconnaissez? Et on va faire une grande farandole, vous allez donner la main. Eric, il va y aller aussi pour vous montrer un peu les pas danser. Et on va faire la danse de l'ours. Ludo, l'ours, bien léché.
Pas de soucis. Bravo Ludo, excellent. Merci messieurs dames. À la prochaine. Bon retour à tous. Merci tous ces animations. Pour tous ces animations, et bip bip. Et bip bip. Chica chica chic. 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 Aïe. Chica chica chic.